bon petit déjeuner. Alors, prenez votre déjeuner tous les jours avec la M Patin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là pour vous servir. Nous, c'est cette grande équipe de la M Patin qui vous tient en compagnie du lundi au vendredi de 8h à 10h. M Patin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude. Bonjour, bonjour à vous tous qui continuez à réagir. Vous nous envoyez les messages, différents messages que vous nous suivez. Vous contribuez aux différentes rubriques de votre émission. Alors, nous allons lire, Patricia Litoko et Esther Jissi pourront quand même lire différents messages que vous êtes en train d'envoyer. Continuez également à envoyer les messages sur notre page Facebook. Nous sommes disponibles. Alors, on parle du sujet du jour. Chers téléspectateurs, nous parlons de l'amour depuis le premier. Nous allons cheminer pour parler de l'amour et le thème c'est Numéri Love. Numéri Love qui va nous accompagner jusqu'à la fin de ce mois de février 2021. Alors, on va parler toujours des conséquences d'une séparation amoureuse. Donc, conséquence, Oizalaka, ce qui batou, Bakabouani, Oizalaka, Ndeyenini. Hier, avec Patricia, nous avons parlé. Et l'équipe tout entière, nous avons parlé des traumatismes qui vraiment m'a cassé. Il y a des décisions que la personne peut prendre pour dire qu'en tout cas, n'a qu'on a qu'à les sous-souter. Parce que Batikiye n'a blessure interne aux alliés difficilement guérissable. Alors, ils allient n'a pas réalité, mon sous-soyo, mon tortique à la canango, traumatisme, mon tortique à la canango, tout, aux alliés irréparables en quelque sorte. Mais est-ce que c'est vrai que Rotikalaka est irréparable? Non, réellement, mais à penser, il y a un bikisaka, maladie, il y a un bikisaka, bolingo, kakana bolingo. Et ça, c'est ce que l'ingo somba, ozoa, c'est une POP, ça pour que ça pèse. Donc, il n'y a rien pour rien sur cette terre des hommes. Il faut toujours aimer et aimer pour de vrai. Aimer. Avec un peu plus de sérieux. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de prendre d'autres points et sur lesquels nous allons essayer encore de tabler. Et si vous êtes à la maison, continuez à réagir à travers les deux numéros qui sont affichés via WhatsApp ou bien Osali message Tokotanga, message Nabino Nyoso sans problème. Patricia Litoko, nous prenons deux points. Si Réel Anna va également ajouter Christovi et Esther. Voilà donc. Lumumba, hier nous avions commencé déjà avec les conséquences qui peuvent arriver lorsqu'il y a eu séparation brutale, lorsqu'il y a eu séparation de deux conjoints, alors Tolobaki, conséquences négatives et Ezalaka Ebele, Nakawana, Nakaya séparation et Bongo Lumumba. Alors hier nous avions parlé ici de l'anxiété, hein, donc parmi ma conséquence oui koki koya au moment où on comme na moi dégoût wana et à kolinga lisusu mutu à pour perdre confiance na emoko donc au moment que azay susu na posta ya pour ya ko koti sa bolingo na kati ya vie na été justement parce que azay ki a koutani na déception parce que séparation brusque tôt brutale et me mara toujours déception d'un côté et koki peut comme ma déception de deux côtés. Voilà. Alors aujourd'hui on va parler aussi le deuxième point que je veux énumérer, les alliés, troubles du point de vue comportement. Donc les troubles comportementaux et coquipé koya, naka et la séparation brutale, tôt brusque le moment. C'est-à-dire, au Romona,
Par exemple, pour le cas d'une fille, hein, d'une fille, oh, oh, aussi qu'on connaître déception, aussi qu'on se séparer, na aminaye au bazalaki, qu'au salanaye, au moment na à quoi changer comportement, à quoi changer comportement, à commis peut-être hystérique, à quoi qu'au coma, donc à quoi qu'au coma kanda kanda, à quoi qui peut qu'au coma souciante, donc parce que et la déception, écoute ici souci na katia mutema, au moment où il a changé. Voilà, ajouter ma décision, moussoussou, il y a vie par rapport à kaka, il y a déception. Voilà. Donc voilà un peu pour notre deuxième point, où il y a bah, trouble du point de vue comportement et à mon outil pour connaître déception, donc ah. Encore séparation. Alors là, c'est un peu compliqué en termes de la prise des décisions réellement. Mais il y a même des décisions qui peuvent coûter la vie. Parce que nous savons, Patricia est en train de révéler, de relever quand même des points importants. Rolobake Moutoko, Zamika, Nonsusu, Oyokozala, et Koki, qui handicapé même fonctionnement ou bien développement, Naye Moko, Nonsusu, Bakenda, plus loin, bah, ni Boma, rien que pour l'amour. Voilà, alors d'entrée de jeu, Ezala, bah, décevoir yo, au Bobuki, au Beteli, ou soit comme la poste à comédie Mika, Yango et Lini Rolobate, que tu as raison. Puisque hormis tout ce qu'on vit ici sur Terre, il faut te dire qu'il y a une autre vie aussi qui nous attend après la mort. Tant que ça l'appelle au Bongo, il a été mis Beteli déjà caché dans Schengen, il y a les Wabe, il y a les Felou. Donc, au Kendeli Felou. Voilà, au nom de la mort, tu iras en enfer. Alors, ça, c'est du point de vue spirituel, religieux. Voilà, voilà. Voilà, selon la religion. C'est interdit de se pendre, mais Patricia n'a pas rappelé Bandeko, Nakala, Nikolote. Nakala, maintenant, moi, je suis mon ami Miki. C'est pas l'ongolé, c'est à Koufi. L'ongolé, c'est à Batandier, c'est Fim. C'est maman, c'est la Zouzou. Ça, je sais pas. J'avais pas jamais fini. Alors, tu vas finir, c'est juste une parenthèse. C'est pour demander. Donc, on a monté. Moi, j'ai vu ça, c'était à Kanyama, où j'ai vu les agents de l'ordre, bah, l'ongolé, bah, tiens, bah, bêta, et puis, il faut 12 fouets. Et puis, Bakangé, Bamou, Bakio, vous n'avez pas condamné au Penza. Bah, condamné, c'est en quelque sorte une condamnation. Mm-hmm. Aussi sur le plan juridique. Voilà. Alors, je disais tantôt, certes, on est confronté à de ruptures atroces qui nous poussent bien sûr à faire ceci ou cela, de mauvais peut-être, et bah, me suspecte qu'il est un peu trop loin et jouer même sur morphologie, topé à Ndokomobal et topé à moi aussi. Moi qui vous parle, j'ai eu à connaître ces histoires-là, na salao, babengaka, dépression, surménage et sangana, puisque oui, j'avais connu une histoire de la sorte. Même quand j'animais des émissions radiophoniques, tu t'es dit, mais tu es face à une réalité, c'est une première pour toi, au Kutana, et puis envergure ou en a. Tu te sens trahi au centuple. Ou soit au premier degré, il y a un peut-être au Kanisa qui, bon, hormis le fait à la moi, si je suis un petit ami et tout ce que vous voulez, au comme ça qui est le roi congénère, vraiment. Donc, le roi Ndego, il y a un Yo linga ma belle. Non mais bon, à la limite nous sommes humains. On s'en a un souci. Non mais on est humain, on n'a pas de cœur de pierre, moins encore de fer. Alors, tu dirais que... Est-ce qu'on vit l'été? Tu vas continuer papa. Mais fenêtre au fond là, c'est important pour nous. Fenêtre on a fond là, il y a mon pour la nuit. Pour dire que, vrai que tu as confronté la réalité, mais il y a un mot beaucoup plus comme expérience. Et son habit, tout le monde a autrement marambabolimo. Parce que, et ça, il y a des choses qui nous l'élodent. Vu que Azouane a moins de chance à évoluer moins de rose en rose, bah, piqûre, pena, malonga, malonga, pena, te, bah, déception, pena, très légère. Moukola, kouta, na penza, na ingunduka, pena, ya maman, la déception. Donc, et comme, mais ma peine, de quoi, m'souna, bah, AVC, et ainsi de suite. Nous, on est à la fois, on a pour préparer. Voilà, clair, autant, on a l'autre, on a l'autre, on a t'es bande de quoi, chance peut-être à vous dire. Donc, à sa chance, quand il y a beaucoup, tu as une légère déception, et même si vraiment tu as un problème, ou soit tu as une réalité, ou tout ça. Tu as un peu de temps pour que tu aies une bande de quoi, soit tu as préparé le chemin pour la bande de quoi. Surtout.
pour nous c'est bon que bolingo et ça rose en rose thé au quoi il peut qu'on coûte la peine et les camoufleurs sont liés vraiment à un niveau moro au niveau qui pète et tout ça donc ça peut arriver alors certes ma réalité on est quoi qu'on commet tout ça tous à la mental d'acier et puis hormis cela tous en ont beaucoup plus le quoi expérience Tommy le baki ah enfin là au moins c'est également c'est une leçon qu'il faudra exactement enfin l'amour a également de pires réalités certes et puis hormis cela toutes ces roses là ou peut-être tous allez qu'on embrasser nous ont capé et ça aura la belle épine voilà puisque quand on veut amour amour on se dit bah Esther Jessie c'est la femme parfaite hein bah elle peut faire quelque chose mais bon à la limite c'est une belle nana et tout ça mais bon tu te dis pas qu'Esther par contre alors maman a kata peno et Esther y a quand même trois ans à boire olé ne kobako donc c'est ça y a mutango ça a bon côté alors il est déjà 9h30 nous allons prendre Esther Jessie après. Nous allons prendre les instants publicitaires sans suivre la petite lucarne. Cette émission est en train de continuer et on va parler de l'amour et continuer à nous envoyer des réactions. Deuxième et dernière partie de votre émission et nous parlons du sujet du jour, l'amour et ses conséquences en cas de séparation, fidèle téléspectateur. Patricia a parlé ici des conséquences négatives. Oyo ezali ko landa soki muto lingi vraiment makasi. Essayez de vous karatolinga makasi. Mais il faut qu'on ait aussi l'esprit préparé que de fois ça ne peut pas accrocher. Donc, même si on ne l'admet pas, mais ça peut arriver que séparation est salement. Il faut être en mesure de le faire. On va continuer à énumérer et commenter ensemble les conséquences par rapport à la réalité tout ça dit qu'on vivre dans le monde, dans Nabiso, Esther Jessie. Là, on parle encore une fois des conséquences. Nakati Abolingo, ce qui va tout va. Oui, bon, déjà c'est un sujet qui est vraiment très large. Alors, ce qui fait que peut-être il s'est fait que Drosala Pen, on ne pourra pas aussi tout dire, mais au moins, Torloba O est vraiment essentiel. Le conséquence, il y a mauvaise rupture, et ça vraiment la conséquence, c'est bêlé. La conséquence, c'est bêlé, comme là, l'ont épinglé les autres. Vous allez remarquer qu'il y a, comme Patricia l'a dit, l'anxiété. À part ça, vous allez remarquer aussi qu'il y a. Ces personnes, une fois, après avoir connu une rupture blessante, Romona, la personne a commis qu'on s'est sous-estimé, a mis mon idée diminuée. Il s'est peu comme bandu comme il tourne la question. En fait, pourquoi la personne, l'homme avec qui je vivais, la femme avec qui je vivais, ne veut plus de moi? A bandu comme il tourne, j'ai connu une fille comme ça, qui après avoir rompu avec son mec, mais qui tourne bando solo là, et bien maintenant, je ne sais pas. Est-ce que Nazamabe? Ah oui, est-ce ce sont ces questions qui reviennent souvent. Est-ce que Nakokate? Est-ce que Ngai Nakoki vraiment? Vraiment, est-ce que j'ai mérité ça? Voilà. Abandiko, donc automatiquement ces questions elles ont révélé que Mutabandiko s'est sous-estimé. Ami Monazé sous une valeur à Tamukete. Mais voilà, bon, on l'a dit hier, dès les débuts d'une relation, il faut savoir se préparer moralement. On doit s'attendre à tout. Déjà, dans le simple fait qu'on vit, on doit s'attendre au haut. Naba, c'est tout à fait normal. Certes, l'amour et le remords sont remis pessines, auto, tu te donnes à fond et quand la rupture vient brusque, il y a toujours un choc. Ça on peut, c'est inévitable. C'est vraiment inévitable. Mais hormis ça, on doit acquérir des expériences. Quand il y a des choses comme ça, le bienfait, il y a rupture blessante, il y a rupture brusque, il y a mauvaise rupture. Et ça, qu'ils osent permettre Bissot, tous ont une expérience sur la vie, sur la relation amoureuse, et puis sur avoir une idée sur la personne qui nous a fait du mal, et puis sur nous-mêmes. Au Bandomi, le Baoui. Il y a des leçons à tirer de deux côtés. Voilà. Endormi le bas, bon déjà, oui certes il a dit, bon, on a pas sa raison, mais que non, on a tout pour telle raison. Il y a pas si raison, mais il faut que je me dise, il faut que je me mette à la paix, bon.
na raison na cause ani pe na raison ba côté moro bazani na raison mais côté mususu pe asani na raison ti ça te permet de ne pas seulement connaître la personne mais de connaître toi-même de faire ça va te permettre de mieux t'améliorer donc c'est un peu ça. Alors là c'est parmi les conséquences je peux dire les conséquences positives au yoko za la ke monto avant de voir rétrospection azabia baboya kinga epo bakota kinga na bar ba pixan on va na bar mbala moko ozui leçon baboya parce que on m'avait interdit de donner mon numéro à qui que ce soit parce que il y a aussi est-ce que Patricia dit que nous ne pouvons pas dire que ezali deux fois qu'on négligeait ba fondement ou bien ba principe sur lesquels ba to bazali ko basé bolingo na bango moko soko ko komo tambola à l'encontre de yango ezo sala que ba séparation ezala pe mota ba conséquence de l'autre ozali ko décrier on l'a dit lorsque ouais. Hein, bah, cause il y a la séparation, nous l'avions dit, et Zali, mésentente déjà ce qu'ils ont fait, Batoumi va aller parce que quand on a télé ou moins bas, on ne pouvait pas faire chemin ensemble. Voilà. Donc Batoumi va aller sur Batoumi, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Sauf que vous avez eu Kanate, vous roussez un chemin ensemble. Et cause on peut Kanaza volonté, Père. Voilà tout donc. Comme Koyo Kanezara volonté. Ça, oui, c'est ça, tu l'as bien dit. Koyo Kanezara volonté, Koyo Kanapete, Kozan Koyo Kanape, et ça peut être volonté. Il y a d'autres personnes au Bazalara, quel que soit le problème au Azana, autant que tu as lingi moutounangaï, ata koutier dans ma bénigne, Azawana. Non, non, pas que tu as lié, mais Azawana juste, Azo reproché, parce que lingi ba bongisa. Parce que ma reproche, c'est Zalara et ma bété. Ma reproche, monsieur Zalara, ma bozo, ça moutouna. Exactement. Voilà, donc Azo reproché, voilà, il faut arrêter de faire ceci. Autant sentir que ce monsieur ou encore cette femme veut vraiment encore rester avec moi, à l'obtenir. Mais il y a d'autres problèmes, ce qu'ils ont bouillé, à ça, on peut s'explication, et tout, à se retirer, à accueillir. Et moi, on a la cause, il y a la séparation. Alors, clin d'œil spécial au millionnaire, l'actuel millionnaire, il s'appelle Nono Mukambu, le patron de la fondation MKS. Monsungi Amabota, le visionnaire du social et le vrai social, parce que il assiste les familles en détresse. Banekoyo, Bazali vraiment na moyen de yaya kawana pour résoudre ba makamona bango. Et l'argent l'appelle boss. Et ceux qui m'ont, ils avaient compris mon boss. Encore dollars, les billets verts. Donc, ça monte à chance. Moté na boss Issa Color, l'homme qui assure et il fait très bien les choses, boss Issa Color, merci pour le soutien que vous accordez à la team un matin et surtout à cette émission. Réel Bombé, tu étais en train de parler de ce sujet et surtout des conséquences de foi positives parce qu'un amour où la rupture, la mauvaise rupture n'a pas seulement pour leçon comme je disais tout à l'heure Esther, il y a également des leçons positives qu'il faudra tirer. Voilà, donc de l'or où tout anime à Kassibongo en termes de rupture très brusque et choquante, pénible, à niveau à premier degré et tout ça, j'ose croire que ça change ou soit ça façonne autrement la concerner ou soit le concerner. De l'or où à Kouelimbe Bawana, c'est alors qu'il aura une autre perception de la vie. Il se dira que, mais bon, en amour, j'avais peut-être, parce que les gens ont évolué, toujours dans l'ignorance, dans certains petits points amoureux. Bon, pour eux, c'est autre chose, dans leur bulle. Il y a moi, ça, moi le roi lave mémoire, hein, quelque part. Donc, on coûte un peu les lois, et ce qu'on les paie mémoire, il faut les paie mémoire, on a vu ça, il y a théâtre Balobara. Donc, il faut les mémoire, et c'est alors que, alors, moi, il y a les choses autrement. Il se dira, bon, en amour, je peux éventuellement, comment appelle-t-on ça, connaître ça. Ça, j'ignorais que ça, ça pourrait arriver, mais c'est quand même arrivé, et voilà. Donc, échanger Moutou, certes, Salimabé, mais Sungé Piamon Ape Makambu autrement. Je pense que Koko Tanape Nabambe Bamoussou Soupe en amour, et Sungarape Moutou, 50% en bien et 50% aussi en mal. Voilà. Alors, Patricia Ditoko, est-ce qu'on peut donner l'oreille au conseiller? N'importe quel conseiller, Katia Bolingo, parce que nous avons parlé ici des conséquences. Mais revenons d'abord à la case de départ. Voilà. Lorsque on se donne, c'est la personne qui est la meilleure conseillère ou les alliés, bah, tiens, cette personne ne va pas orienter vraiment. Voilà, alors là, c'est quand même un peu délicat parce que les alliés, na batumusu sur l'umamba, aye, aye, kopesa olito inaye, ok.
paquet, aza a outi na déception, aye po apesao, hein, dedans, aye oyo kaye, yo pesae lito yo kaye, de façon à ce que remonte et moral n'a pas si oyo aza namo. Mais il dit que ma solo est bon, mingi pe et baluka pe mabe. Parce qu'il y a d'autres personnes. Voilà, donc d'autres personnes profiteront de la faiblesse, yamoutou, pour que à sakanana, na yo. Justement parce que. Moi je n'appelle pas ça faiblesse, moi je j'appelle ça to ono kelambou la libanda pe topé sur parasolé. Je vois pas en quoi est-ce que... Sérieux, non, il défend ce qu'il a dit. Hier, il nous a dit ici sur place, ceux qui, par exemple, yo, babo, yo, nana, yo, pas nangaï, au sengingaï, toli, je profite l'occasion pour t'apporter mon soutien et surtout récupérer ce que j'ai envié. Voilà. Bon, c'est lui, c'est pas moi. Justement, je voudrais dire que très souvent, mon inaka, tant que vous avez un copinage, parce qu'il faut le dire, copinage, il faut toujours passer par copinage pour qu'on a fiançaille, parce que sinon, d'autres vont nous dire que vous ont encouragé copinage. Non, parce que de banda non wana après boké na fiançaille et fiançaille pende et mes marati na mariage za ba tout le monde ma kuta bon fait je sais pas peut-être tata makala na tanga ba koko na biso hein oh papa ya ba ona papa ya ba 13 ans papa ona oyo ba kuta ni ba yo kali ba tsino ka yo na oyo bo bala donc il faudrait savoir que pendant période wana ya copinage il est très important oyo ba que mutunyo sont toutes les fois ba mama kam na bino il y a d'autres makam o il faut essengi ba problème mususu ou to ba sujet mususu essengi sur le langou kaka, yo la conjointe na yo, ou bien la conjointe na yo, ou sur le langou binomi balé, ou bon ici, ou binomi balé. C'est vrai que, on va, ou beaucoup de gens, voilà, et tous en a pire serre, on a bisous, on a pire serre, on a conseil, donc il n'y a pas pire serre, à quoi, bah, lui, il a payé ton temps, hein, pire serre, on a payé pire serre. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, oui, bah, juste co-gérer la situation à deux, c'est très important. Voilà. Surtout si vous avez un copinage. Kosolo Lara Mingi, Kopé Sanaraba Conseil Mingi, et il y a un déroulé là qui n'a pas tout, bah avancer et puis bah qu'il y ait des libos. Esther, Jessie, Patricia dit qu'il faudra savoir gérer les dossiers amoureux seuls. Oui. Elle veut dire en interne, entre les couples. Oui, oui. C'est... Est-ce que si dans le couple il n'y a pas la maturité, c'est facile de gérer des dossiers seuls ou il faudra faire recours? Bon, la maturité déjà, c'est le roman, c'est très important dans le cas de couple. Parce que déjà, quand la personne, l'homme vient vers toi à draguer, à dire ce que je te veux. On dit mi, on dit qu'on vivre, on dit qu'on a expérience. Ce qui fait que moi si j'ai mobile, il pas j'ai moi si. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont calmé, il y a bien problème et continue à Kati. Je pense que le mieux serait que bimi balébo solo là cherche à trouver certaines solutions et aller vouloir parler à quelqu'un d'autre pour que AAP ça conseille. Certes, tu as bien besoin d'un mais ça trop risqué. Que Luca qu'ont exposé Vinayo et surtout que ceux qui battent oiseaux y basons mon avec non besoin à venir à couple bien les endigues m'aura bien et ça vraiment risqué que non ok c'est une façon pour toi d'exposer couple Nayo bien l'homme ou bien là, ta copine ton mec je sais pas donc c'est un risque vraiment à ne pas vouloir prendre c'est vraiment risqué mais certes il y a aussi des personnes après ça m'a pas conseillé bien on peut se conseiller bien basan abango oui basan abango on peut se conseiller bien tu vas te rendre compte que ce qui peut appliquer en opé simbi. Ah d'accord ouais. Maintenant il faut savoir tomber dans terre mauvaise allez faire voir, c'est ça. Savoir tomber dans ma boga mon tour zali malamo sinon ya ou les aussi mon tour bon maman à la limite le pasteur bah, si, ça passe encore le pasteur oui le pasteur, c'est mieux basan nzambe c'est mieux parce que basan nzambe peut pas faut qu'oyé bape basan nzambe oni parce que c'est mieux ouais, c'est ça le problème tout cela pour éviter ma pure sœur. Ah, comme elle a vu, une pire sœur. Voilà, mais voilà. Ça va, c'est ça. Ah, ma femme va orienter. En tout cas, c'est une façon pour nous de vous annoncer que le lundi, nous allons parler de l'affaire Moussinzo. Ah, voilà. Côté. Il y a affaire Moussinzo, le lundi, on va essayer de commencer par là avant d'entamer d'autres détails demain. Vous comprendrez que l'amour ou Numéri Love va devoir continuer jusqu'à la fin de ce mois de février, fidèles téléspectateurs. Instant à présent, au message, à la lecture des messages, des différents messages que vous nous avez envoyé. Patricia Ditoko va faire un effort et Esther d'ici, elles vont faire quand même un effort de lire le maximum des messages par rapport au temps. Oyo, Totika Dinango.
Voilà, donc alors, il y a notre ami qui nous écrit pour dire « Ce qui fait mal lorsqu'on se sépare, ce n'est pas l'amour, mais l'affection. À travers le temps, l'affection diminue et il y aura plus du souci, plus de soucis. Et l'amour est différent de l'affection. » C'est frère Altesse Konga. Je ne sais pas si vous avez compris ce message. Altesse, oui. Il veut faire la comparaison entre... Mm-hmm. L'amour et l'affection. Parce que quand on parle de l'amour, en réalité, ici nous parlons de l'amour entre copains, entre les gens ayant les sexes opposés. Mais l'affection, au cause d'une affection, on déconaille. Au cause d'une affection, moi, on a eu. Tout comme au cause d'une affection, on a mobile et notre moins si d'ailleurs. Donc, je pense que l'amour et l'affection va de pair. En tout cas, selon moi, je pense que c'est. L'amour aussi est différent. Mais l'amour n'a été. Non, ça c'est vrai. Mais l'amour entre conjoint, l'amour entre amour fraternel, c'est différent. Même au niveau application, ils ont dit vraiment, on ne peut pas égaler les deux. Même s'il y a, c'est le même mot, ce sont les mêmes lettres, mais il y a quand même le fonctionnement qui est différent. Ok. Alors, nous allons... Justine, tu as un message là-bas? Oui, il y a un message qui nous parle. Bien, partir de Brazzaville, on dit bonjour Numérica, je vous suis depuis le Congo-Brazzaville. J'aimerais que vous puissiez m'aider à souhaiter un joyeux anniversaire à mes sœurs jumelles Dominica et Elfie. Il y a aussi notre message d'une personne qui dit « Salut, Suikims, Koupa, Ninazo, Landabino ». Et il y a une autre qui nous félicite en disant que voilà, il aime bien le travail. Félicitations à nous. Merci. Merci. Voilà, c'est une façon pour nous de lire l'ensemble. On est en train de sélectionner par rapport à la rubrique émission mon bimba parce que le bio tous aura un sujet et comment on pour n'aika à côté qu'on a tous aura un nuance tous satisfaits comment pour que tout ça là je suis parti servir tout. Voilà, là on a un autre message. Bonjour El Matin, en matière d'amour, le premier conseiller c'est soi-même, car dit-on la nuit porte conseil. Et aussi, si une tierce personne te donne conseil, c'est à toi de juger, car c'est toi-même qui connais mieux ton partenaire. Et j'appuie ce que Patricia vient de dire. Disons que lorsque un jeune homme ou femme s'engage au mariage, c'est censé qu'elle est ou qu'il est déjà mature. Alors je conclue pour dire, dans une relation amoureuse, soyons conseillés de nous-mêmes. C'est Ruth Siani ou Kiani, je ne sais pas, c'est marqué écrit avec C. Ruth Siani, je pense. Voilà. Siani, Chani, bon, d'accord. Ruth, merci pour le message. Merci pour votre contribution. La question que je vais d'abord te poser, Ruth, est-ce que tu n'as jamais vu un couple qui est marié légalement? Basali coutumier, basali civil, autre bien civil, hein. Bon, dans le mot civil, t'es à peu coutumier, t'es à pas. Bénédiction nuptiale, na acte, na niveau ou bien se scellé, na niveau ya commune, ya l'État, État civil. Mais au moins, babandi au bunda. Parce que bato babunda kapi babundi nanzela ne patisa do baki lobi akimi alongwe pa na yi mbangu akeyi akoti na lupa ma ba voisin mobali azolanda akoti na salon aleki na salon akoti ti na chambre pour qu'elle se sauver. Est-ce que couple wana bazaka vraiment ba mature? Et puis en parlant de nuit qui porte conseil, que baisa ba nuit mususu sous ezan succession de cauchemars yo zo la maison donc c'est là ton conseil en moi il y a bien et bomina bobo de la guerre moi. Donc bref, ce qui est vrai que j'ai aimé une partie de son message qui dit que okoki koyo kanyon so e outi pa batou mais kasi yo moko ndé faut au juger ou analyser et puis au soi mais voilà, yo moko zali censure il y a bolingo na yo voilà yo moko ndé yebi comment est-ce que okoki ko limiter ko ça la kozoa oyo koza donc tu es le premier ou la première conseiller ou conseillère. Il y a Bolingo Nayo. Alors, c'est par ici que nous allons essayer de mettre un terme parce que le temps nous fait défaut. Certes, il y a beaucoup de points à relever. Comme disait Esther tout à l'heure, l'amour, c'est vaste. L'amour, c'est long. Mais nous ne pouvons pas épuiser le tout dans 28 jours. C'est pratiquement moins de 28 jours. Alors, Dark Koukoule nous écrit pour nous dire bonjour. L'amour est compliqué dès à l'enseignement.
Darkoukoule, c'est toi qui es très compliqué. Ah oui. Oui, hein, l'amour est des fois aussi compliqué. Il n'a pas tort, il est compliqué parce que certaines personnes ne tombent pas na tango et singeli, na mouto pas singeli. Voilà. Alors, ce qui osa dit le lokutanaki na tantino tonton moko bazaki ne qui dit en fouka zane mouto moko bon maniaku a yebu zoe ka boningo. Et tu risques de conclure comme ça pour dire que non, l'amour est compliqué. Non, l'amour c'est juste un jeu. Un jeu qui doit être joué entre les deux. Qui s'appelle, qui a comme l'élément central la complicité. Okay. Qui a pour l'élément secondaire la communication parfaite et sincère. Moi, j'aimerais rajouter que l'amour est comme jouer dans un labyrinthe obscur et yeux bandés. Voilà. Tu aimes trop ça, les yeux bandés. Merci beaucoup. Voilà, on prend le dernier message pour aujourd'hui. Message, s'il vous plaît. Alors, c'est notre ami, le super fan, Josué Joki Bonja, qui nous écrit pour dire « Une relation amoureuse, copinage, fiançailles ou mariage, l'unique solution pour qu'elle émerge ou avance est d'associer Jésus-Christ. Le reste est Zakaka Mboutou Mboutou. » Signé Josué Joki Bonja, super fan de la Mais avec Jésus-Christ, rien n'est Mboutou Mboutou, c'est ça qui est vrai. Josué Joki Bonja, depuis quelque part, bonjour et surtout, bon début de week-end à toi. Bon début de week-end également à Serge Kalambay, le véritable patron beau gosse depuis les États-Unis d'Amérique. Mbote place aux amis et surtout mbote na ba maman, mbote na bande voyons sur côté kuna. Mbote pe na boss Issa Color, l'homme qui assure par son savoir-faire, son travail, il fait très bien les choses. Nous saluons également Bosco Kuvonda, un Djiloa de moins en Djili, un Canadien de plus au Canada. Mbote place aux amis na Canada. Mbote na bande gonyo so bazali kote kuna ko bosa na te ko komisela biso mbote na Mireille Basamba moko ya ba famille ya Kuvunda o bazali azali kote ya Angola, sans oublier celle qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. On l'appelle tout simplement la sœur Lukombo depuis Londres, Mwasi ya Batu ya vie Sakul mobali ya bande fwa pembe. Voilà. Merci à vous tous qui renouvelez votre confiance dans le savoir-faire de Numérica. Bonjour à toi, Trésor Mputumali, l'attaquant et le joueur du TP Mazembe. Bonjour à toi, Jojo Ngonda Imene, le bourgeois gentilhomme, l'homme de la bourgeoisie. L'homme qui fait très bien les choses. Merci et surtout bon week-end à toi, cher frère. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent du côté de Lubumbashi. Je vois Granel, je vois Maman Mambouina Lula, je vois tous les enfants et surtout tous les occupants de la résidence des Mwamba. Nous sommes dans la première ville de la province du Haut-Katanga. Salutations à tous les Mwamba. Alors, de partout ils se trouvent, en Angola, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Zambie. En Tanzanie, c'est Jean-Pi Mwamba. Jean-Pi Mwamba. Jean-Pi Mwamba, c'est en Zambie, à Lusaka. Vérodi Mwamba, c'est en Tanzanie, à Dar es Salaam. Alors, réellement, nous devons chuter. Question de nous séparer des téléspectateurs pour aujourd'hui. Nous allons les retrouver que le lundi. Exactement, Lumumba, puisque juste après ici, on vient de me signaler que. Voilà. Bon, là, c'était les à côté. Alors, fidèles téléspectateurs, c'en est fini pour ce dernier numéro de la N matin de cette semaine. On vous a tenu compagnie comme cela, 5 jours successifs, voilà. Et pour ce faire, on va se séparer en beauté, voilà, pour ceux, bien sûr, qui iront festoyer, je ne sais pas moi où. Et bonne fête déjà à vous et bon week-end. Alors, très rapidement, je pense comme cela à une ravissante dame qui a quitté d'un point X à un autre. Bah, moi, là, bon, Ruth Fatouma, merci infiniment de m'avoir fait signe. Je vois Kim Scoupani, CNTV. Je vois également Général. Il y a Général depuis, Montréal, voilà, Canada, au Montréal. Et depuis Paris, France, je vois Prisca, la patronat, le docteur Jaffar, depuis Paris, France également, Awatosa. Merci infiniment, le docteur Jaffar. Je vois également Elle Suite Patience Zanto Koyo et Ratakanangote. Je vois Coucher du Soleil et la petite Angie Didi Mola. Big up également, ou soit spécial clin d'œil comme cela à Maman Martine Coco. Et enfin, lui, ce monsieur l'entrepreneur, au vrai sens du mot, au vrai sens du terme, Monsieur Gloire Ngebe. Voilà, Patrice Aditoko, nous chutons pour aujourd'hui. On boucle la boucle. Rendez-vous lundi. Merci.
Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Le rendez-vous est déjà pour ce lundi. Alors, très bon début de week-end à vous tous. Très bon début de week-end à toi, Umba Lombella, Thierry Choto. Bon début de week-end à toi. Delide Bakindu, bon début de week-end à toi également. Hein. Donc, on est surtout basoni déjà à Lubumbashi. Alors, en parlant de Lubumbashi, je vois également Jano Malakatai, Polisaidi. Et salutations spéciales à Chang Bimancha et Jules Bimancha. Alors, voilà. Esther, nous devons jeter un mot à tous les téléspectateurs. Oui, merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis durant toute cette semaine. Alors, bon début de week-end à vous tous. Nous nous retrouvons le lundi à la même heure. Merci. Alors, Christovi, vite là, avant de saluer le général Sam Kabila. Bonjour et bon week-end à vous, Christovi. Donc, rendez-vous qu'à lundi pour la beauté parce que temps et Salut. Alors, le rendez-vous est pris pour le lundi et je tiens également à vous dire merci de nous avoir suivis depuis le lundi jusqu'aujourd'hui le vendredi. Vous savez qu'on prend congé de vous aujourd'hui le vendredi. Donc, ne ratez pas surtout le premier numéro de la semaine qui suit, le lundi déjà, à la même heure. Et bon début de week-end à vous tous. Merci Ciao. Beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à celle qui restera la vraie sœur, sœur Yabatounaye. Krisnovi Mujinga et Esther vont devoir nous rejoindre sur ce plateau afin... Pour le selfie. Non seulement pour le selfie, bien sûr, mais aussi pour honorer quelqu'un qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Elle, vous la voyez sur ces photos, elle s'appelle la sœur Lukombo depuis Londres, nous sommes en Europe. Mwasi Yabatuya Muntunaye, Motama est là à mon côté, Ozali Tikete Nzamba Lola, Nzambo Ozali Kosade, Nzambo Ondimela, a porté yo, Nyonso Ezali, et na posa, a monté Manayo, réussite, longévité, prospérité, Ezala, partage. Nayo, la team un matin, na honneur Nayo, tous allez consulter ça. Émission yo na lolenga boye, donc yo allez moi si y a vieux ça coule, mande fou ya pembe, mon bali yo moko kaka zali na mande fou ya pembe. En tout cas la team un matin, Patricia Ditoko va devoir peut-être nous servir et surtout nous aider à ouvrir cette bouteille un peu vite pour finir cette émission. Manzaka, nous pouvons revenir sur ce plateau. Merci à la dame qui y est à l'honneur aujourd'hui, à Madame Lukombo, la sœur Lukombo. Oyo, Azali, qu'on célèbre voilà, un an de plus sur le plateau. Alors là, vous êtes en train de voir, le gâteau est là, bien sûr. Kisnovi va devoir nous aider également. Et à comment on cause au mang. Moi, on a déjà un aïe, maintenant, on a déjà un aïe. On va prendre le gâteau. Dans l'honneur, il y a la sœur Lukombo qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Et si on pouvait seulement chanter, vous la voyez déjà sur cet écran en train de sourire. Elle aime bien cette émission. Elle le fait tellement bien. Tellement bien. Alors, moi, je vais souffler. Dans l'honneur, Nayo. Alors, voilà, vous le voyez. Vous la voyez aux côtés d'Ambal Nayo. Mande fwa peme. Vieux, ça coule. Nous, ici, on commence déjà à faire. Voilà, là, ça va se jouer comme ça. Voilà, voilà. Joyeux anniversaire à Dada Lukombo depuis Londres. La team N Matin te souhaite tous les meilleurs du monde aux côtés de votre cher et tendre voilà. Époux, Monsieur Sakul Mobali Oyamande Fapeme. Ting ting. Joyeux anniversaire. Voilà. À toi, la Dada. Déjà, l'émission touche à sa fin, fidèles téléspectateurs. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine, comme a dit tout à l'heure les amis. En passant, bon début de week-end. À vous, cher Dada Lukombo, depuis Londres, là nous sommes en Europe. Au revoir et à demain. Non. Allez, à lundi. Ciao. Vous êtes amoureux d'un bon petit déjeuner? Alors, prenez votre déjeuner tous les jours avec la M Matin. C'est avec immense joie que nous vous retrouvons encore une fois. Et voilà, nous sommes là. Vous servez. Nous, c'est cette grande équipe de la N Matin qui vous tient en compagnie du lundi au vendredi de 8h à 10h. N Matin, le rendez-vous des amoureux de la positive attitude.